pour l'instant, on reste comme ça, voilà. On verra ça un peu plus tard. Bon, bah, c'est tout pour ce soir. Allez, je vais passer une bonne nuit. Ciao! À demain! Et nous voilà mardi soir. Et oui, vous rêvez pas, 13 millions. Oui, j'ai 13 millions sur compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, j'ai revendu tout ce que je pouvais à cause du POTM. Donc, Goreska, j'ai revendu Gundogan aussi, j'ai revendu tous les Griezmann. Mais Yerzabal, je les ai revendus aussi. Voilà, j'ai revendu tout ce qui était possible de revendre, tout ce qui ne vaut pas, tout ce qui ne vaut pas des crédits, je les ai gardés. Tout simplement pour pouvoir investir sur les joueurs POTM qui vont sur les joueurs qui vont sortir. Et donc mauvaise nouvelle, c'est que je viens de faire le calcul dans le ici là pour le pour pouvoir débloquer comment il s'appelle Zapata. Je pourrais le débloquer en free to play. Non, ici, pardon. Je pourrais le débloquer en free to play, mais il faudrait que je joue jusqu'à jeudi soir, c'est-à-dire vraiment jusqu'au dernier moment. Et le problème, c'est que jeudi, je travaille, je ne pourrai pas jouer le compte. Et du coup, bah, je ne pourrai pas avoir le Zapata. Il va me manquer voilà, les défis de l'après-midi. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas me permettre. Donc, bah, ce que je vais faire, je vais prendre un pack là. Hein, on va dépenser 2500 crédits, tant pis. C'est pas grave, c'est le compte free to play, hein. C'est pas un problème. On va prendre les 250 points, on va se débloquer les Zapata. Voilà, on va le faire. Et alors, on y a 2000. Bon, déjà, on va le récupérer. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où j'espère continuer à chatter, puisque ce compte a l'air d'être pas trop mal, c'est récupérer ces 300 points et on va les ouvrir ensemble. Je vous dis franchement, si je n'avais pas de vidéo à faire, je n'aurais pas ouvert, je n'aurais rien pris. Mais bon, on va faire un petit pack opening en même temps. Hein. C'est le but du jeu. Vu qu'on a eu Rabiot, on s'est mis bien avec Rabiot, ça serait bien un petit show à Hazard ou Rakitic. Ça serait Rakitic, il rentre parfaitement dans la team. Hein. D'ailleurs, bah, c'est lui que je vais essayer d'acheter ou si je peux pas le packer. Ou non, c'est ici. Allez, c'est parti. On a packé beaucoup de joueurs. Espérons encore. Allez, allez. Oui. Anthony. Bon. Ok. Il reste plus beaucoup. Hein. J'ai bien peur que. Ou un petit stone. Hein. Je prends un petit stone aussi. Hein. Allez. Allez, allez. Ah non. Bon. Et eh ben, on va faire le dernier, et puis le défi, ça sera fini pour moi. Il ne servira plus rien à faire. Allez. Une élite, allez! Et putain, bon. Bah, tant pis. Bon, on va. Voilà. Ce soir, on va rien faire de spécial, on va faire les petites quêtes quotidiennes, et puis on va attendre demain soir le POTM de voir ce que ça va être, et puis on investissera en masse. Allez, à demain. Catastrophe et quel boulet je suis. Alors, je vous explique. Comme vous pouvez voir, je suis sur le gros compte. Pourquoi? Ben, cet après-midi, pendant, j'ai fait mon petit live comme d'habitude. Et en passant du petit compte au gros compte, ben, j'ai perdu mon petit compte. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Voilà, tout simplement, je peux plus accéder à mon petit compte et j'ai perdu tout ce que j'avais. Donc, bon, je suis un peu blasé, mais maintenant, j'étais arrivé à 14 millions. Là, j'en suis à 19 sur le gros compte, hein, donc je vous montre l'équipe du gros compte. Et les techniques d'AR et tout ça seront pareilles. Voilà, donc tout ce que je fais sur le... ce que je, tout ce que j'aurais fait sur le petit compte. Je le ferai aussi sur le gros, donc vous allez voir comment fonctionne le gros compte à partir de maintenant. Voilà, j'ai fait la boulette, j'ai fait la boulette. Bon, bah ça arrive et tout ça, c'est comme ça. Donc du coup là sur le POTM Skills nous a fait 26 victoires. On a packé en joueur. Je vais me remettre là.
On a pas qui en joueur. Alors attendez, je vais vous dire ça. Voilà, on a paqué Di Maria, un Vergost et un Paulinho. Donc voilà, ce soir, nouveau défi, on attend avec impatience. Normalement, ce soir, je vais snipe un petit peu des joueurs. Je sais pas trop qui encore, je vais voir ça ce soir. Voilà. Bon, bah, c'est plus road free to play, c'est road play to win. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à demain! Bon, nous revoilà encore, on est encore mercredi soir. Le défi Freeze vient de sortir. Bon, rien d'intéressant, on détaillera ça plus dimanche. Il faut qu'on check bien ça. POTM, j'ai ouvert un pack à 100 points. Pas POTM, équipe de la semaine à 100 points. J'ai eu le petit Ken, j'ai pas réussi à le revendre. Bon, bah tant pis, ce sera un joueur à revendre plus tard. Par contre, je viens de recevoir. Les récompenses Revolts avec deux joueurs élite garantis. Donc on va regarder ce que j'ai récupéré et espérer avoir un petit peu de lourd. Oh bah ça va. Oh bah 2,83. Très bien. Très bien. Bah écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Bon, ça va faire des petits crédits à revendre un peu plus tard. Hein. C'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Alors on est un peu baissé en crédit parce qu'il y avait des packs à acheter dans le Diffus Freeze, mais on en parlera un peu plus en détail sur le live de dimanche. Donc ben, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce mercredi. On verra demain maintenant. Donc nous voilà, on est samedi. J'ai pas pu faire de vidéo jeudi suite à un problème de coupure d'internet. Et vendredi soir, j'étais trop crevé, il y avait trop de choses à faire avec la sortie du défi Freeze. Normalement, quand vous allez voir cette vidéo, il y a une autre petite vidéo où il y a un guide complet qui va être fait avec Skills, où on pourra normalement récolter l'icône Laurent Blanc et peut-être CR7, c'est à voir, vous verrez, venez dans la vidéo. En ce qui concerne le gros compte, bon là c'est rien n'a bougé sur comment dirais-je, sur l'effectif. On l'a, voilà, ça n'a pas bougé, on n'a pas revendu, on s'est dit on va les garder, les joueurs on va pas les revendre. Au niveau crédit on est descendu très très bas, mais alors par contre, voilà, c'est investissement à donf, comme vous pouvez voir, les 80, ils sont voilà, ça c'est tout. Vous voyez, j'ai tout mis dans ma boîte aux lettres pour avoir de la place. Regardez, les marais, c'est voilà, il y a pratiquement 900 joueurs à revendre. J'en ai encore dans la réserve. Voilà, rien de nouveau pour l'heure actuelle. On fait le défi et puis voilà. Bon, bah, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Il n'y aura plus de compte free to play puisque je l'ai perdu, hélas. Donc on fera, je pense que c'est peut-être la dernière vidéo que je fais comme ça sur le long de la semaine parce que ça prend énormément de temps et puis je sais pas si c'est très, si ça vous donne vraiment envie de voir. Peut-être que je ferai une vidéo voilà, sur une journée, juste un jour pour vous expliquer ce que j'ai fait toute la semaine. Mais je ne vous ferai pas des petites parties comme ça. Parce que c'est très contraignant pour moi, ma vie de famille et tout ça. C'est très compliqué de tout suivre. Bah voilà, on en reste là. On continue à investir. Hein, je vais continuer à snipe les joueurs et à essayer d'en prendre et d'en acheter. Il me reste encore 3 millions 9. Donc les crédits, on en a encore un petit peu, c'est pas ouf, mais on a des Oriezabal à revendre qu'on a acheté 600K, ils sont déjà pas loin des 1 million. On a les Di Maria, les Marez qu'on a eu à moins de 150K, ils sont déjà pas loin des 250K. Voilà, les crédits, ça va. On se prépare pour la totie, voilà, on se prépare pour la totie, on continue, on continue. Et bah voilà, c'était T-Frank. Je vous souhaite un bon week-end et gare à vos crédits. Ciao.